Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du cardinal Ratzinger dans La gloire de Dieu aujourd'hui. La Pentecôte, s'éveiller à la force émanant du silence. La Pentecôte et le Saint-Esprit sont, depuis le début de la chrétienté, dotés d'une force quasiment magnétique, dont l'effet va très au-delà de la sphère d'influence religieuse de l'Église, surtout à l'époque moderne. Naturellement, c'est d'abord l'expérience de l'Église terrestre, avec toutes ses limites humaines, qui n'a cessé de nourrir la nostalgie d'une Église de l'Esprit, de la liberté et de l'amour. Cela commence avec les prédicateurs montanistes du IIe siècle, et cela se prolonge jusqu'aux espoirs suscités par Vatican II. Pendant le haut Moyen Âge en Calabre, le père Joachim de Flore avait imaginé quelque chose qui correspondait à ce type d'attente et qui allait se répandre au fil des siècles comme une avalanche. Il enseignait qu'au premier royaume du Père et au deuxième royaume du Fils allait succéder un troisième royaume, le royaume du Saint-Esprit, dans lequel il ne serait plus nécessaire d'établir de structure dans la mesure où l'Esprit et l'amour conduiraient les gens à la liberté. Toute forme de domination extérieure serait ainsi rendue superflue. Cette vision n'a cessé d'inspirer des théologiens, des philosophes et des hommes politiques depuis le XIIe siècle. Les premières tentatives de restauration de la République romaine contre la domination pontificale en Italie se réclamaient des prophéties de Joachim de Flore. Même le Duce avait entendu parler de la théorie de ce religieux du Moyen Âge dans un amphithéâtre à l'Université de Genève et voulait devenir le réalisateur de son projet. Hegel se savait lui aussi redevable à Joachim de Flore d'une partie de sa philosophie. De la même manière, et aussi ténu soit-il, il existe un fil conducteur qui va jusqu'aux espoirs marxistes d'une société sans classe, libérée de l'aliénation et de l'exploitation. Les variations sur le thème du Saint-Esprit sont si nombreuses qu'elles vont jusqu'à vouloir ériger le royaume de l'esprit sous la forme d'un royaume de la matière. Mais quelle est la signification du message lié à la Pentecôte? Quelle a été la réponse de l'Église? Parmi des paroles d'une impénétrable grandeur, l'Évangile de Jean contient des questions d'un réalisme presque bouleversant et prouve que ce dilemme est apparu très tôt dans l'histoire de la chrétienté. Notamment lorsque, dans le contexte des paroles d'adieu de Jésus, Judas Thaddée, Paul Iscariote, pose cette question sans détour. « Seigneur, comment se peut-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? » 14-22. C'est en effet la question que nous nous posons toujours en silence. Pourquoi le ressuscité est-il resté dans le cercle des siens, au lieu de se manifester avec force à ses adversaires, et ne laisser ainsi aucune place au doute? Pourquoi est-il nécessaire de le chercher tout au long de l'histoire, au travers de la parole évangélique, alors qu'il aurait pu édifier un royaume de l'esprit et de l'amour? La réponse de Jésus dans l'Évangile de Jean est très mystérieuse. Saint Augustin a utilisé la formule qui suit « Seul celui qui a l'esprit peut le voir ». Il s'appuie d'ailleurs sur une parole du philosophe Plotin que Saint Augustin vénérait et que Goethe a transposé ainsi « Si l'œil n'était pas solaire, il ne pourrait pas reconnaître le soleil ».